Bonjour, bonjour les enfants. Ça va, vous allez bien? Alors nous voici devant les exercices que vous devez effectuer sur votre cahier d'écriture. Alors s'il vous plaît, les enfants, quand je dis le cahier d'écriture, voici votre cahier d'écriture, c'est celui-ci. Regardez, il est marqué ici cahier d'écriture. C'est là où j'apprends à écrire les lettres et également à faire des exercices. Alors s'il vous plaît, ne mélangez pas le cahier d'écriture avec le cahier de lecture. Alors, on va commencer par l'exercice numéro 1. Relis chaque image et chaque mot au son que tu entends. Relis chaque image et chaque mot au son que tu entends. Nous avons ici des images, des sons et des mots. Alors, on va d'abord découvrir le son, ou plutôt les sons, puisqu'on en a quatre. Le son ou, le son ou, le son en, qui s'écrit bien sûr avec A-N, E-N, A-M ou E-M. On a le son on, qui s'écrit O-N ou O-M. Et on a le son O, qui s'écrit avec le petit O, le moyen A-U et le grand E-A-U. Alors nous allons découvrir les images. Nous avons ici ce qu'on appelle un hérisson. Un hérisson. Alors moi je vais écrire le mot, comme ça sera plus facile pour vous de retrouver ou d'identifier le son que vous entendez. Hérisson. Nous avons ici quand, pardon, quand, gourou, kangourou. Nous avons ici ba, bouche, babouche. Et nous avons do, mi, no, un domino. Nous avons ici mouton, souvent, beaucoup, pourtant. Alors on va commencer par les images. Et bien sûr, vous devez utiliser la règle. Vous savez très bien que moi, je n'ai pas comment faire puisque je tiens mon téléphone avec la main gauche et je tiens le crayon avec la main droite. Donc je n'ai pas comment faire pour travailler avec une règle. Alors s'il vous plaît les enfants, je veux un travail propre, un travail impeccable. Maintenant, vous savez travailler avec une règle. Alors vous utilisez votre règle et vous reliez. Alors on a hérisson. Qu'est-ce que j'entends? J'entends le son on. J'entends le son on. Alors je vais relier avec le son on. Je relie hérisson avec le son en. J'ai ici kangourou. Alors dans kangourou, j'entends le son en et j'entends le son ou. Alors bien sûr, nous allons relier kangourou avec en et avec ou, bien sûr, avec les deux sons. J'ai ici babouche. Babouche, le son ou. Le son ou. Babouche. Et j'ai ici domino, un domino. Je vais relier au son O, do, mi, no. On passe au mot mouton. Alors regardez, j'entends mou et j'entends on. J'entends ou et j'entends on. Alors on va relier mouton avec ou et on va relier mouton avec le son en. Pardon, le son on. Le son on. Nous avons ici souvent, souvent. Alors dans souvent, j'entends également ou et j'entends maintenant le son en qui s'écrit en. Alors on va relier avec le ou et on va relier avec le en. Souvent. J'ai ici le mot beaucoup. Beaucoup. Alors dans beaucoup, j'entends o. Dans beau, j'entends o. Et j'entends le son ou dans cou, beaucoup. Alors on va relier avec le son ou. Et on a ici pourtant. Pourtant, j'entends ou dans la syllabe pour et j'entends en dans la syllabe tant. Alors on va relier avec en et avec ou. Alors bien sûr, tous les mots ici, on entend le son ou. Dans les quatre mots, on entend le son ou. Bien, alors on va passer à l'exercice numéro 2. Complète
chaque mot avec la lettre qui convient. Complète chaque mot avec la lettre qui convient. Alors pour ces mots, la liste de mots qu'on a ici, on a T ou D. T ou D. P ou B pour les mots qu'on a là. P ou B. F ou V. F ou V. Alors on a la T ou le D, le P ou le B, le F ou le V. Alors on va commencer par les mots ici, les premiers. Alors je dois entendre T ou D. La porte, te. La porte, c'est la lettre T. Un tambour, avec la lettre T. Un radis, la tempête, la tempête. Et on a dimanche, dimanche. P ou B dans ces mots. Les parents, on ne peut pas dire les barons, c'est les parents, c'est-à-dire papa et maman. Les parents. Le bateau, la brebis, c'est la femelle du mouton, la brebis, une toupie, la puce, les parents, le bateau avec B, la brebis avec deux B. Une toupie, la lettre P, la puce avec un P. Alors ici on a F ou V, la lettre F ou la lettre V. Alors la vérité et non pas la férité, la vérité avec un V. Un enfant avec F. Le four et non pas le vour, le four. Le lavabo avec la lettre V. Et on a une figue, c'est un fruit, une figue avec la lettre F. Alors je passe à l'exercice numéro 3. Change la première syllabe de chaque mot par une des syllabes suivantes pour obtenir un nouveau mot. Comme dans l'exemple. Alors, on a des mots. Regardez, on en a ici trois et ici trois. Nous avons ici un exemple et nous avons ici des syllabes. La syllabe sou, ta, pou, ka, man, li. Alors, voilà ce qu'on va faire. Comme dans l'exemple. Regardez, manteau, on a enlevé la première syllabe man et on a mis bas. Et ça nous a donné un notre mot avec on a gardé la deuxième et ça nous a donné le mot bateau. Bateau. C'est ce qu'on va faire. Alors ici dans coupe, on a coupe. On va enlever cou et on va chercher une syllabe ici à mettre à la place de cou et ça va nous donner un autre mot. Coupe. Soupe. Ben voilà, c'est la première syllabe. On va enlever la première syllabe et on va mettre là. Soupe, la soupe. Et bien sûr, je barre la syllabe parce que je l'ai écrit. Comme ça, c'est pas la peine que je l'écris deux fois. Je l'écris deux fois. On a bâton, bâton. Alors moi, si j'enlève bas, la première syllabe, et on va garder ton. Alors on va voir. On va dire tâton, tâton, non. Pouton, pouton, ça veut rien dire. Caton, non plus. Menton. Oui, un menton, c'est la partie inférieure qu'on a au visage. Menton, menton. Voilà. Et on barre ment. Et on barre ment. On a vitre. Alors moi, je vais enlever la première syllabe vi. Je vais garder tre. Et on va voir. On va dire tatre. Non. Poutre. Oui, poutre, ça existe. Mais on continue. 4, non, ça c'est 4, ça s'écrit pas avec ce C là. Alors, litre, oui, litre, on peut dire litre ou alors poutre. Mais vous savez ce que je vais faire? Je vais laisser celui-là et on va passer aux autres, d'accord? Jusqu'à ce qu'on voit, parce que là on en a deux, on a deux syllabes qu'on peut mettre dans ce mot et
Il est préférable de voir ici qu'est-ce qu'on a. Et après, on va mettre la syllabe qui nous reste, on va la mettre dans ce mot. Alors, on a fable. Fable, j'enlève le FA, la première syllabe, et on va dire table. Oui, table. Pouble, câble, lible, table. On va mettre table ici. Et on va barrer ta. On a ici rideau. Rideau. Alors on va dire poudo. Non. Cadeau. Oui, un cadeau. Hein, on enlève ri. Et on va mettre K à la place. Cadeau. Et on va barrer K. On va barrer K. Et on a ici douce. Douce. Alors moi, si j'enlève doux, la première syllabe, il me reste pou et il me reste li. Alors on va dire li, non, pardon, pouce. Oui, le pouce, hein, le pouce, le gros doigt de la main. Et on a lisse, non, lisse, ça s'écrit avec deux S. Donc pouce, vous voyez, c'est pour ça qu'on doit faire très très attention quand on a des syllabes comme ça, où deux ou trois syllabes peuvent s'écrire dans un mot. Il est préférable de supprimer d'abord les mots qu'on a en plus et il va nous rester li. Et ça va nous donner un litre. Litre de lait, litre de jus, litre de limonade. Un litre. Alors, soupe, menton, litre, table, cadeau, pouce. Et voilà, nous avons écrit nos syllabes dans les mots. Alors, nous allons passer maintenant aux exercices de la page 45.